What's up, gentlemen? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Penny de Pierre parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On va aller tester le PVP Minecraft. Donc, on va monter en haut de notre base et nous allons essayer de trouver quelqu'un à PVP. Dès qu'on a trouvé quelqu'un à PVP, on va changer d'armure. Comme vous voyez, je suis en kit comme ça. C'est parce que j'ai plus de canne à sucre pour faire des potions de speed. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de trouver quelqu'un. Ça fait longtemps que j'ai pas PVP, mais genre vraiment longtemps. La dernière fois que j'ai du PVP, ça date de 2010. Entre parenthèses, en vanilla, stash HF. Voilà, je suis plutôt intéressé à voir qu'est-ce que ça va donner. Je prends les pommes d'or comme nourriture parce que je suis un peu un petit fils de pute. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un à PVP. Dès que je le trouve, je fais boum 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 boum. Un truc dans le genre et le tour va être joué, ok? Bon, là, c'était pas à point, mais ça devrait l'être, ok? Jugez-moi pas. Donc, on va juste faire ça. Boum, 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 boum. On va essayer de garder notre épée dans la slot 1. Comme ça. Donc, let's go essayer de trouver quelqu'un pour PVP. Et puis, en espérant que ce soit pas une team. J'aimerais bien que ce soit un joueur solo. Il y a seulement 16 joueurs de coup. C'est un peu la mort sur le serveur. Hein. C'est un peu la mort. On va pas se mentir, mes chers frères et sœurs. C'est un peu l'amour. Attendez un instant. On va essayer. Aussitôt que j'ai quelqu'un, je vous reprends. Donc, il y a seulement 16 joueurs en ligne. Je me suis dit que j'allais faire F-List. Comme vous voyez ici, F-List, j'ai vu que la Get Drunk c'était la première faction. Donc, j'ai fait vue et là, j'ai mis les coordonnées. Ils sont endettés à Freeze. Ils ont seulement 3,5 de détails. Donc, espérant qu'on peut trouver quelqu'un avec un peu moins bon qui veut bien nous PVP. Donc, je vais juste y aller avec mon truc archer. Mais rendu à 100 blocs, je vais y aller avec une potion de speed parce que je sais qu'ils sont 5. Donc, je veux pas me faire enculer non plus. Vous voyez? Donc, ce sera pas bien long. On est bientôt rendu. En même temps, je comprends pas pourquoi ils se sont installés là. Normalement, les gens s'installent au nord. Un peu bizarre qu'ils soient installés au sud. Après, il y a peut-être, vu qu'il y a la sortie N, peut-être, que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Je sais pas exactement comment ils ont voulu s'arranger. Mais normalement, c'est mieux de s'installer au nord. Au sud. South. En fait, non, attends. Je sais plus, mais. Ah oui, c'est la sortie N de ce côté-ci, donc ouais, c'est normal qu'il soit installé ici. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est nous qui est un peu à un mauvais endroit, on s'est installé au nord. Je sais pas pourquoi on s'est installé au nord, en fait. Pour être franc avec vous, je me souviens pas du tout. Je sais pas, je l'ai déjà dit, mais ce serait cool qu'ils mettent un mode qu'on puisse voir derrière soi. Ce serait vraiment chouette, on est à 400 blocs, les boys. Ok, si je meurs directement, je vous le dis, il y a juste 19 joueurs, s'ils se mettent à 5v1, je vais rager parce qu'il y a seulement 19 joueurs, il n'y a pas personne qui PVP, donc j'espère au moins qu'ils voudront bien 1v1 ou quoi que ce soit, genre au moins 2v1, tu sais, comme ça, 2v1, je peux quand même essayer de faire quelque chose. J'ai une pomme cheat, j'ai un stuff diamant, donc ça devrait aller quand même pas si mal. On est bientôt arrivé, donc là, à 100 blocs, les gars, je vais changer mon armure pour mettre une vraie armure. Parce que l'armure en cuir, on va pas se mentir les gars, on va vite d'Europe avec celle-ci. Je vous dis, rappelez-vous, ça fait longtemps que j'ai pas PVP, donc m'en voulez pas si je suis nul. Voilà. Donc on va bien se préparer, donc on va mettre nos perles ici, comme ça. Je vais prendre ça là, comme ça. Je vais prendre ma potion, oups, c'est pas ça, ma potion de speed, comme ça. Et on va prendre manger un coup. Donc on est rendu à leur base, on est tout près de leur base, c'est quand même une belle base, hein. Ils ont mis des vitres invisibles, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, plutôt intéressant, mais bon. On va aller jeter un coup d'œil les gars, s'ils veulent pas PVP, s'il y a pas des gens ici pour PVP d'ailleurs, ça serait plutôt cool. Il y a personne pour PVP, ouais, il y a personne qui est là à l'extérieur. Ça ici c'est quoi? C'est Get Up, ça doit être une trappe, 100% que ça a l'air d'être une trappe. Je vais y aller quand même parce que j'aime ça les trappes. You may not use it. On peut pas les utiliser dans les claims, c'est un peu dommage. Je vais quand même aller voir en haut qu'est-ce qui se passe. Y'a rien, c'est juste un bridge pour PVP. J'espère que quelqu'un va sortir pour PVP. A tout de suite. Quelqu'un qui est monté, il s'appelle Drelix. Drelix, un truc comme ça, mais par exemple, il est no stuff. Donc, je pense pas qu'il va venir à PVP. Il y a pas d'autres personnes à sa base, donc les autres, ils vont sûrement me ambush. Dans le sens qu'ils vont arriver en mode aléatoire. Je veux rien savoir, je veux pas savoir ils sont où. À moins qu'ils fassent. Oh non, y'en a un autre qui est là. Attends, lui, est-il dans leur team? Ouais, lui est dans leur team, Bytes, il s'appelle. Ok, là, y a-t-il d'autres mondes? Non, y a personne. Chris, y a personne sur ce serveur-là? Oh, il est là, il est sorti. Vous savez que ça fait combien d'années que j'ai pas PVP, mes chers amis d'Internet? Ça fait vraiment longtemps. Non! Pourquoi 5 gars faut qu'ils sortent sur moi?
Ok, nice. Ah, oh, on pouvait pas juste 1v1, ben non. Il y a 19 personnes de coup sur le serveur, mais faut que tu fasses chier les gens. Tabarnak. C'est vraiment drôle ça, hein? Vraiment là, c'est très amusant. J'adore ma vie, je vais y retourner quand même. Je vais y retourner parce qu'en fait, je suis capable d'aller toutes les tuer, ils sont toutes, c'est des grosses merdes. Je vais monter le bridge puis je vais perdre. Ouais, puis on va faire ça. Motherfucker. Ok, 3 contre 1, let's go, YOLO. Le problème c'est ma speed, hein. 16 secondes de speed, ça je suis pas trop pour, mais bon c'est pas grave, YOLO hein, comme on dit. On va juste se préparer à faire ça, préparer à mettre notre stuff. Notre pump cheat finit dans 11 secondes. Donc on va essayer de quick drop le gars, essayer d'avoir ses potes. Allez, 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 on le perd bloc, on le perd bloc. On le perd bloc, on le perd bloc. Ah, oh, lui en haut il est là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, viens-t'en. Perd bloc toi aussi. Allez, t'es perd bloc. Allez, ça va être drôle. Boum, c'est parti. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. Dès que ma pelle atterrit. Oh shit, ma pelle atterrit fucking à côté en fait. Comme un con. Fuck, merde. Moi en plus j'allais enlever mon armure et tout. Donc on était dans une très mauvaise position à l'instant les amis. On peut perdre en 2 secondes. En plus, on n'a plus de trick, donc ça va être plutôt plutôt intéressant. Boum! Tac, 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 tac. Whoopalai. Let's go, c'est parti. On va pouvoir s'enfuir, les amis. Tranquillou, pépère. Vraiment des gros fils de pute, ces gens-là. C'est malheureusement bien dommage. Mais ils sont pas capables de 1v1 ou quoi. Je sais vraiment pas c'est quoi leur problème, en fait. Je sais pas pourquoi ils sont... Il y a 19 coups, là, vraiment. Genre, il y a 18 personnes déconnectées. Mais eux, ils sont entêtés à... Je sais pas, je sais vraiment pas c'est quoi leur problème. Mais bon, c'est pas grave. Ils sont un peu chelous dans leur tête. Je m'en fous un peu de mourir, c'est pas ça le problème. J'aurais bien aimé voulu faire un 1v1. Par exemple, je l'ai bien rock dans le truc là. Il était dans la merde en fait, le gars. Mais bon, c'est pas grave. On va. J'ai plus de potion de heal. J'ai juste. Puis en plus, je vais pas perdre mon P2. Parce que c'est quand même un P2. Ils sont tous partis dans leur base. Hell. On va juste les fâcher, ils vont sûrement sortir ou provoquer dans le chat. Ça va être drôle. Puis voilà, à tout de suite. Au moins, les gars, avec cette expérience, nous avons eu notre titre putaclic. On peut dire je me suis fait 4v1, what the fuck, je les tue tous, entre parenthèses, ça arrivera jamais. Donc voilà, c'est bien. Allez, salut. J'ai dit, quelle grosse merde, j'essaie de me tuer. Vous pensez que ça c'est bien, ça fera des vues. Je fais juste les énerver en fait, j'en ai rien à foutre littéralement. C'est juste drôle là, il dit 1v1 practice et je rec. Bon, juste pour le faire chier, je pourrais rec et mettre vape ou un truc comme ça, c'est juste pour rigoler. Mais non, j'ai la flemme, gros, j'ai pas le goût de. Pas le goût d'aller sur un practice ou quoi. Ça serait rigolo, il y avait une mute. T'es sérieux, gros? Tu es mute pour un siècle là, boulot, gros, c'était rigolo là. C'était rigolo, on s'amusait là, t'es sérieux, mec? Il y a 20 personnes, gros, come on. Yo les gars, l'admin m'a filé quelques clés, donc je vais aller au spawn ouvrir les clés, mais aussi je vais vous faire gagner deux clés de chaque. Donc moi je vais ouvrir deux clés et je vous fais gagner deux clés de chaque. Donc il y aura deux gagnants, un qui va gagner une clé mythique et un gars qui va gagner une clé normale. Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Ouais. Un de vous qui va gagner une clé normale et quelqu'un d'entre vous va aussi gagner une clé mythique.